Bonjour, moi je fais partie du groupe Wonder Woman. C'est pourquoi on m'a choisi comme porte-parole. Pour sortir des schémas du féminisme. Donc deux idées forces ont été apportées. D'abord, la mise en valeur des compétences des jardiniers. Alors que ce soit les compétences en cours d'acquisition dans le travail du jardin de cocagne, mais également les compétences qu'ils ont à la base, en fait, parce que chacun sait faire des choses, tout simplement. Donc, dans un jardin, c'est vraiment le désir des encadrants techniques d'aller sur ce sujet. Ils sont soutenus par leur direction. Le chef de culture est un peu plus sur les freins. Dans un autre jardin, carrément la mise en place, dont pour certains connaissent, d'AFEST, hein, c'est-à-dire d'action de formation en situation de travail, avec même l'idée d'aller jusqu'à un CQP ouvrier polyvalent. La deuxième idée force, c'est l'organisation du travail, faire participer davantage les jardiniers à l'organisation du travail. Et on sait que ce n'est pas simple. Sur la première idée, excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'on aussi l'idée de partir de l'intuition territoire zéro chômeur, qui est non plus de vouloir absolument insérer les gens dans le marché du travail, quitte à piétiner un peu leurs appétences et leurs compétences propres, mais plutôt l'idée de partir des compétences, des appétences des personnes, finalement, pour inventer davantage le travail en fonction de ça. La conclusion, c'était aussi de dire que pour faire un peu tout ça, il faut que les encadrants techniques acquièrent peut-être des compétences managériales plus fortes. C'est pas simple, ils ont souvent les compétences donc, pour organiser le travail, etc., mais les compétences de management pour tirer parti des compétences de chaque personne, ça c'est plus complexe. Ok, merci.